this foundation is helping kids born with heart defects and heart problems. We opened this foundation with Suzanne Bubecki. It's been about 7 years now. So, you know, it's something that I had a problem with as a kid. And, you know, I had a chance to overcome that problem and be able to continue to play hockey and achieve my goals. And that's what this foundation is all about. We decided to open a foundation with the, you know, helping kids with the heart problems and help them to achieve their goals in their lives. Even they've been operated, but they have to understand they can still capable of doing a lot of different things. And one of them, like today, a beautiful day for skating. So go on the pond, you know, it's not too cold and sunny day and just can't ask better weather. Do you like to play with kids? I love kids. I mean, they just when you see that you give something, you know, them to believe, you know, what they can believe in their life, they can do a lot of different things, and they're not alone. There's always people supporting them. They always a lot of friends around them. They can help them. You know, that's just to put a smile on the kid's face. That's most important. I know, obviously, Alex played with Alex. I know he's got his foundation with the kids. So, you know, I've been part of it before a little bit. And, you know, now I've been in touch with Dr. Bobecki, who's who's my friend also. And you know, decided to come here, play with the kids a little bit. And you love to play with kids? I love it. I have two kids at home, so get used to it. And I'm sure it'll be fun for all of us. J'étais impressionné de voir ces joueurs parce que c'est ils jouent dans la Ligue nationale et moi, le hockey, ben, c'est ma passion, donc c'était le fun, oui. Puis, tu joues au hockey toi-même? Oui, je joue à Mirabel dans le Bantama. Et ben, c'était impressionnant de les voir en personne. Fondation Kovalev, ça fait presque 10 ans qu'on existe déjà. C'est surtout pour les enfants atteints de malformations cardiaques. Il y en a énormément, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y en a environ 1 sur 100 naissances vivantes. C'est des enfants qui doivent subir beaucoup d'interventions, des visites à l'hôpital. Ils manquent d'école, ils se font un petit peu ostraciser par leurs amis. Et ils n'ont pas pris l'habitude de prendre soin d'eux. Ils subissent la maladie. Alors la médecine, elle est excellente au Québec, au Canada. Ils sont guéris, mais après... Qu'est-ce qui se passe? C'est des enfants qui ont comme arrêté de vivre pour guérir. Et la Fondation, bien, c'est de les aider à reprendre le goût à la vie, le droit au rêve, prendre confiance en eux, continuer leurs rêves et finalement être fiers d'eux, comme nous, on est fiers d'eux. Alors, si je comprends bien, les sous de la Fondation, c'est pour, après l'opération, c'est pour prendre en charge ces enfants-là. Et qu'est-ce qu'ils font comme activité? On offre surtout des activités sportives, artistiques, ludiques, par l'intermédiaire des camps. On est encore une petite fondation, donc on fait une activité par année. La plupart du temps, c'est dans les Laurentides, c'est notre région de préférence. Alors, on est très heureux de faire cet événement ici, parce qu'on retourne ici tous les ans. Et donc, c'est un camp d'été d'une semaine où tout est payé pour les enfants. Ils sont pris en charge, non seulement pour les activités, mais aussi par des thérapeutes professionnels, des gens qui ont l'habitude avec des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Et il y a des gens qui font de la thérapie par l'art, par musique. Il y a des conteurs, des magiciens, des sportifs. Et l'enfant est pris vraiment tout seul. On ne les oblige pas à faire aucun événement. Il n'y a pas d'activité de gagnant, de perdant. Ils gagnent tous parce qu'ils sont venus au camp. Et même s'ils disent « non, je ne veux pas faire telle affaire », ben on dit « bravo, bravo, on te félicite, tu as pris un choix, tu as pris un choix pour toi ». Puis on essaie plutôt de les faire parler, de s'exprimer. On leur donne la possibilité de poser des questions qu'ils n'ont jamais osé poser. Ils se parlent entre eux parce que pour une fois, ils réalisent qu'ils ne sont pas l'enfant de la classe ou de l'école même, mais qu'il y en a d'autres comme eux. Et ils découvrent parmi d'autres enfants cardiaques leurs idoles.
Donc, je suis vraiment fière d'eux. Puis, on a du plaisir, on apprend à mieux les comprendre, à mieux les traiter même. Et combien d'enfants depuis 10 ans avez-vous aidé comme ça? Chaque année, le camp est offert pour environ 75 enfants. L'âge varie de 4 ans et demi à 23 ans, en autant que ça fait que la personne qui vient, ça, il trouve que ça va lui faire du bien.